Salut les Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir. Petite vidéo information, vraiment très petite, hein, comme vous pouvez le voir à la durée de la vidéo. J'ai eu un souci technique et personnel qui m'a empêché de faire les épisodes suivants de Deponia Doomsday. Donc je vais mettre à la place des vidéos du guerrier Sith, hein, de l'histoire du guerrier Sith, hein, avec Kibo, donc, que je vous rappelle est basé sur un personnage qui s'appelle vraiment Kibo, d'une fanfiction d'un joueur de Star Wars The Old Republic, où il a créé un Sith gris. Hein. J'essaie le plus que possible de refaire exactement ce qu'il a écrit dans la fanfiction, c'est-à-dire faire un Sith qui a de l'honneur, qui a le sens du devoir, qui protège les civils de l'Empire, qui ne tue pas ceux qui sont désarmés ou ceux qui se sont rendus. Il est ouvert aux propositions et il ne combat que ceux qui veulent combattre, hein, ceux qui se désignent vraiment comme adversaires devant lui. Et aussi, c'est un Sith qui veut changer l'Empire, on va dire, un peu de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il veut que les Sith, que l'Empire Sith vit en paix avec le reste de la galaxie. Forcément, il n'est pas d'accord avec les principes de la République, tout ça, etc. Mais quand même, il reconnaît la puissance du côté lumineux. Il reconnaît la puissance de la République, puisqu'elle a bien tenu après tout ce qui lui est arrivé, hein, depuis KOTOR, hein, souvenez-vous, hein, donc depuis plus de 300 ans, la République survit à pas mal d'événements, donc il comprend bien que la force de la République est assez importante, et il respecte les Jedi, tous les styles de combattants qu'il rencontre. Pour lui, tous valent quelque chose. Bon, il y en a certains qui valent moins bien, comme par exemple les soldats, hein. Pour lui, c'est juste, bon, bah voilà, des soldats, c'est-à-dire ils se battent parce qu'on leur en donne l'ordre. Mais voilà, tout ce qui est guerrier, c'est-à-dire duelliste, tous ceux qui peuvent avoir une arme au corps à corps, eux, ils les considèrent comme des adversaires valeureux qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'évidemment, il faut respecter, même s'il peut ne pas être d'accord avec eux, dont évidemment les Jedi. Donc voilà, donc j'essaie absolument de rester dans ce truc-là. D'ailleurs, vous allez remarquer dans les épisodes qui vont arriver que j'ai fait pas mal de choix lumineux. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous savez, il y a le système là, de côté obscur, côté lumineux, qui a été rajouté dans Star Wars The Old Republic, où vous cliquez sur votre choix du camp que vous voulez. Bon, habituellement, quand vous êtes dans l'Empire, on vous met le choix obscur, et quand vous êtes dans la République, on vous met le choix lumineux, c'est-à-dire vous gagnez des points, même quand vous ne jouez pas, c'est-à-dire, voilà, ça vous permet d'augmenter votre score. Le truc, c'est que j'ai laissé trop longtemps le personnage de Kibo en pause, donc ce faisant, il avait trop de points obscurs, donc là, j'ai été obligé de le faire plus du côté lumineux, à tel point qu'en fait il est devenu trop lumineux, et donc ça fait que vous allez remarquer que à la fin du chapitre 1, on va vous dire qu'il a suivi la voie de la lumière, tout ça, etc. Mais en même temps, ça m'a permis de faire un choix qui collait bien au personnage dont je me suis inspiré, c'est-à-dire un Sith qui veut la paix. Donc voilà, j'ai réussi, on va dire, à trouver un compromis. Je vais essayer de refaire des choix plus souvent obscurs. Mais je ne vous promets rien, voilà, hein, parce que voilà, comme je me suis un petit peu raté là, ce qui se passe donc, c'est que je vais me remettre en obscur, enfin sur le truc de obscur, pour essayer de repasser en neutre. Je vous rappelle, notre objectif est de rester le plus neutre possible, c'est-à-dire ni d'être du côté lumineux, ni du côté obscur, mais vraiment neutre, hein, voilà, c'est une route, voilà, qui n'est ni bonne ni mauvaise. Kibo n'est pas censé être un mauvais site, en fait, il est là pour présenter le côté bienveillant entre guillemets de l'Empire Sith, c'est-à-dire eux aussi ils ont des gens, eux aussi ils ont des ambitions, des rêves, ce genre de choses, puisque pour ceux qui sont plus ouverts à d'autres univers, souvenez-vous qu'il y a d'autres univers où il y a des empires qui sont considérés comme bienveillants. Je vais prendre par exemple une série humoristique, hein, une web série humoristique qui est Noob, hein, comme vous connaissez, avec le monde de Noob, où t'as plusieurs factions, t'as la coalition, t'as les autres, là, les verts, je sais plus comment ils s'appelaient, c'était les nouveaux là qui étaient arrivés dans une des saisons, je sais plus laquelle, et puis t'as surtout là où viennent nos héros, c'est-à-dire l'Empire, et l'Empire est considéré comme la faction gentille, entre guillemets, du jeu, puisqu'évidemment c'est là où on suit les aventures de la guilde Noob. Donc voilà, c'est un des exemples, hein. Vous avez par exemple aussi dans les Final Fantasy, on a vu pas mal d'empires qui se sont révélés bienveillants, ou en tout cas des royaumes qui se sont révélés bienveillants. Donc voilà, on a déjà connu dans d'autres univers des royautés et des empires, enfin des impérialistes, être bons, entre guillemets, hein. Évidemment, tous les empires habituellement ont un côté plutôt dictateur, militaire, tout ça, etc. Mais il nous est déjà arrivé d'avoir vu que certains empires ne sont pas
vraiment mauvais, ils sont juste très autoritaires, mais sans plus, voilà. Et donc c'est ce que j'essaie de représenter avec Kibo, et c'est ce que je pense qu'a essayé de représenter celui qui a écrit la fanfiction dont je m'inspire. C'est vraiment montrer le côté bienveillant, vraiment, entre guillemets, de l'Empire Sith, pour montrer que eux aussi, tous les Sith ne sont pas des assoiffés de sang, qu'il y en a certains qui veulent très certainement la paix. Et comme je vous rappelle que l'univers de Star Wars The Old Republic est considéré comme dans l'univers étendu de George Lucas, bon, moi j'appelle ça le multiverse, hein, on va arrêter le débat, hein. Il n'y a pas d'univers Disney ou univers George Lucas, non, non. Il y a un multiverse. Marvel utilise cette excuse pour faire que toutes ces histoires soient canon, donc pour moi, je sors la même excuse. Star Wars est un multiverse, donc c'est-à-dire il y a des histoires qui se passent à des mêmes périodes, mais qui sont totalement différentes. C'est normal, c'est un multiverse, donc tout est canon. Maintenant, ça suffit les histoires de « Oh, c'est canon, c'est pas canon », tout ça, arrêtez, arrêtez. C'est juste un moyen pour Disney de réussir à voir quelle est sa fan base et donc pouvoir l'exploiter. Et surtout, ça leur permet de faire encore parler Star Wars et donc faire plus de merchandising, tout ça, etc., etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a découvert récemment, étrangement, hein, que le personnage de Revan et de Ben sont apparus dans une scène, dans une scène qui a été enlevée dans Clone Wars, dans une des saisons de Clone Wars, où vous savez, il y a le fils, la fille et le père, qui sont le fils, la représentation du côté obscur, la fille, la représentation du côté de la lumière, et le père qui représente l'équilibre. Et le fils, dans cette scène, parlait avec deux esprits du côté obscur, et ces deux esprits étaient Ben et Revan. Comme par hasard, hein, voilà, c'est... Alors, je comprends parfaitement le choix de George Lucas de ne pas mettre cette scène, simplement parce que Revan fait partie vraiment d'un univers vraiment à lui, et même Star Wars The Republic nous montre bien, maintenant, l'univers à laquelle appartient Revan est vraiment trop lointain par rapport au film, c'est vraiment très compliqué de réussir à le replacer, on va dire, dans la chronologie officielle de Star Wars, c'est-à-dire celle des films. Ce n'est pas possible. C'est, voilà, ce que vous appelez, vous, canon, voilà, c'est trop difficile de faire entrer des trucs comme Revan. Je sais que beaucoup de fans veulent avoir un film. Moi-même, j'ai envie d'avoir un film Revan. Mais, alors, à ce moment-là, un film Revan, mais qui se passe dans son époque. Peut-être pas qu'on voit Revan au premier plan. Par exemple, on pourrait voir les guerres mandaloriennes. Du point de vue des soldats de la République qui ont combattu donc les Mandaloriens, qui sont dirigés par Revan. Et Revan n'apparaîtrait que 2-3 fois, voire n'aurait qu'une scène finale comme on a eu avec Rogue One et Dark Vador, pour ceux qui veulent un exemple. Par exemple, on voit Revan qui se bat avec Mandalore. Voilà, puisque c'est comme ça que la guerre a été terminée. Enfin, ça et la super arme qu'a utilisé Revan. Enfin voilà quoi, je vous laisse explorer tout le sujet sur le personnage de Revan, c'est vraiment très passionnant si ça intéresse vraiment. Donc voilà. D'ailleurs, chose qu'on m'a rapporté, enfin que vous savez, je montre mes vidéos à mes amis, tout ça, etc., avant de les envoyer en ligne, puisque voilà, mes amis, ils aiment bien voir mes trucs, tout ça, et ils me partagent leur opinion, c'est-à-dire, ils ont leur propre opinion, hein. Il y en a bien qui me disaient de bien jouer full obscur, moi je leur ai expliqué que non, moi je voulais jouer neutre, ils ont dit d'accord, ok, c'est toi qui veux, après tout, hein. C'est toi qui joues, c'est toi qui as ta façon de faire, je disais juste mon avis, voilà, moi je joue plus habituellement en full obscur, voilà, donc, voilà, chacun avait son avis, et d'ailleurs, pas mal de leur avis se concentrent sur la même chose, c'est que mon personnage, ou en tout cas Kibo, le personnage de Kibo, aurait des ressemblances avec Revan, comme quoi il est du côté obscur, mais il a aussi un côté de lumière, il arrive à avoir des alliés dans le camp de la République et de l'Empire. Donc voilà, ça permet donc, on va dire, de faire un parallèle avec Revan. Mais bon, bref. Donc voilà, donc là vous allez recevoir quelques épisodes du Guerrier Sith qui n'étaient pas prévus à la base. Mais voilà, je vais vous les envoyer parce qu'ils sont prêts, ils sont tout chauds, voilà. Donc ça me permettra de faire les épisodes de Deponia Doomsday. Parce que voilà, j'ai oublié de le faire, voilà. Bah oui, je suis désolé, hein, ça peut m'arriver, écoutez, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien d'autre, normalement, hein, pas d'autres informations. Si vous voulez lire la fanfiction sur laquelle je me base, c'est sur Star Wars The Republic, le site officiel. Vous avez la section forum, normalement, enfin communauté forum, et vous devriez avoir une section spéciale qui s'appelle les fanfictions. Après, il faut trouver la fanfiction en question, mais voilà quoi, vous devriez facilement trouver. Elle s'appelle The Revenge of Clan, je sais plus quoi, qui signifie la revanche du clan. Je sais plus quoi, parce que en fait, le nom, c'est un nom japonais, vu que l'auteur voulait vraiment faire un parallèle avec le Japon, comme le faisait George Lucas avec Dark Vador, par exemple, que pour ceux qui ne le savent pas, l'armure de Dark Vador est inspirée des armures samouraïs. Voilà, donc avec un côté très japonais. D'ailleurs, si vous avez regardé la série Rebelle dernièrement, dans les dernières saisons, il y a Ezra qui s'entraîne avec Hera.
pour qu'elle apprend à savoir se battre au corps à corps. Et il y a un petit côté Japon, guerrier samouraï, tout ça. Moi, ça m'avait bien plu. Je suis content de voir que toujours que même Disney respecte le côté, on va dire, par rapport à notre vision des choses et par rapport au Japon. Hein, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, au Japon, Dark Vador, c'est une star internationale. Enfin, pour eux, c'est la méga star. Hein, donc voilà. Si vous savez le nombre de trucs qui est sorti avec Dark Vador chez eux. Donc voilà. Voilà. Donc la fanfiction est très intéressante, mais par contre, elle est en anglais. Donc si vous y connaissez pas en anglais, ça va être un petit peu mort. Moi, j'ai essayé avec Google Traduction. Donc voilà. Hein, je sais pas si ça veut. Je sais. Ça m'a pas permis de tout comprendre. Mais j'ai pu comprendre, on va dire, la globalité du machin. Ça parle beaucoup aux politiques, puisque ça parle évidemment du côté bon empire, mauvais empire. Voilà, vous voyez un petit peu le truc. Avec notre, évidemment, le guerrier Sith Kibo qui combat sur les champs de bataille et qui essaie d'apporter la paix en se battant sur les champs de bataille en tant que protecteur de l'empire. Et à côté, t'as tous ses alliés, enfin certains de ses alliés, qui essayent d'amener ça sur le plan politique avec le Conseil Noir, les services secrets de l'Empire, tout ça, etc. C'est intéressant, ça. Il y en a certains qui ont dit, en lisant la fanfiction comme moi, que ça ressemblait à Game of Thrones, pour ceux qui veulent un parallèle. Donc voilà, il y a un côté politique très, 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 très important, mais le côté action n'est pas déplaisant. C'est comme si vous lisiez un roman en fait. Donc voilà. Oui, parce que je vous préviens, il n'y a pas d'image sur le machin. Hein. Donc déjà, c'est en anglais, c'est rempli de texte. Donc voilà. Et le machin, je crois qu'il a duré plus de 10 pages, hein, tellement que l'auteur de la fanfiction a rajouté des chapitres au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc voilà, la fanfiction d'ailleurs s'est arrêtée au bout d'un moment donné, hein, puisqu'il a dit qu'il arrêtait les aventures de son guerrier Sith, Azioste, puisqu'il n'aurait plus le temps de jouer. Donc voilà, il a décidé de mettre fin aux événements du guerrier Sith de la fanfiction par rapport à sa partie de jeu, puisque je vous rappelle, hein, il a créé la fanfiction par rapport à comment lui il a joué le jeu et comment lui il a perçu le jeu. Donc voilà, c'est ce qui est très intéressant, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner sur Evan si c'est pas déjà fait, puisque c'est un grand personnage très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, je prépare Star Wars Knights of the Old Republic sur la chaîne, mais comme c'est un très gros jeu, comme par exemple Warcraft 3, hein, puisque voilà, pour vous donner une idée, ça va me demander énormément de temps, donc pas cette année. Je suis sûr que vous aurez pas Knights of the Old Republic cette année, peut-être l'année 2018, mais je suis pas encore sûr. Donc on verra bien, hein, on verra, et puis il faudra bien voir avec YouTube, puisque je vous rappelle, il y a les musiques de Star Wars, tout ça, etc. D'ailleurs, les vidéos Star Wars, pour ceux qui ne le savent pas encore, à cause des musiques Star Wars, ils ont décidé que maintenant, les vidéos de Star Wars, en général, pour ceux qui n'ont pas les droits d'auteur, ont plusieurs cas. Mais le plus souvent, c'est le cas de la vidéo n'est pas lisible sur certains appareils, comme par exemple les téléphones portables. Donc, je vous conseille d'utiliser un ordinateur pour voir les vidéos Star Wars, que ce soit les miennes ou de d'autres. Dès qu'il y a de la musique Star Wars, ça devient très compliqué. Donc voilà. Mais bon, vous connaissez un petit peu YouTube maintenant, hein, si vous avez suivi l'actualité dessus, tout ça, compagnie. Bref, je vous laisse vous renseigner vous-même de votre côté. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Donc, vous allez recevoir quelques épisodes de Star Wars République. N'hésitez pas à aller sur le forum avec les fanfictions. Il n'y a pas que celle-là, hein, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être intéressantes. Après, à vous de voir si vous préférez lire des anglaises, des françaises, des allemandes, je crois aussi. Enfin bref, voilà quoi, que vous choisissez ce que vous préférez lire, on va dire, ce qui pourrait vous intéresser. Après, je vous préviens, hein, vous allez tomber sur pas mal de fanfictions qui sont assez tirées par les cheveux. D'où le principe de la fanfiction. Mais il y en a certaines qui sont très bien travaillées, qu'on voit que les mecs ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Comme celle que j'ai trouvée avec la revanche du clan machin truc, qui signifie paix en japonais. Donc si vous essayez de traduire par Google Traduction, vous mettez paix, la paix, hein, vous voyez le principe de paix, en français, et vous demandez la traduction en japonais, peut-être que vous trouverez donc le nom du clan. Donc voilà, c'est par rapport à ça que j'arrivais à m'orienter pour retrouver la fanfiction. Donc voilà. Voilà. Excusez-moi, je reprends le souffle. Voilà. Donc, ne pas hésiter à s'informer sur Evan, puisque c'est un personnage très intéressant. Et puis voilà, quoi, hein, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça, c'est juste en dessous de la vidéo. Hein, tu regardes en bas, là, tu vois, normalement il y a un message de moi, enfin de moi, de Val en fait, mon double maléfique. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, vous mettez votre petite question, votre truc, tout ça, n'hésitez pas. Donc, c'est vous que ça regarde. Hein. Si vous n'avez pas de questions,
Ne mettez rien, mais bon, je préférais que vous me communiquiez, que vous me dites quelque chose, puisque voilà, j'aime bien recevoir des messages de vous, hein, j'aime bien que vous me donnez votre avis sur certaines questions, sur certains trucs. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeu, n'hésitez pas, hein. Par exemple, je me suis pris l'acquisition de Mafia 2, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, Mafia 2 est normalement prévu. Je dirais à la rentrée, peut-être fin septembre, début octobre. Je dis ça quelque part, donc voilà. Mafia 2 qui est... Alors par contre, évidemment, il y aura une limite d'âge, hein, voilà. Je vous préviens, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pourrez pas regarder Mafia 2 sur ma chaîne. Mais bon, il faut comprendre, c'est un jeu PEGI 18, donc je me dois de mettre PEGI 18. Alors vous allez me sortir Dragon Age 2, mais le truc c'est que Dragon Age 2 se veut très limité, on va dire, au niveau du gore, moins de 18. Alors que Mafia 2, ça parle quand même de la mafia, donc ça parle de sujets assez qui peuvent heurter la sensibilité de ceux qui sont pas habitués à ce genre d'histoire. Donc voilà, on va éviter toutes sortes de problèmes. Donc voilà, les vidéos Mafia 2 seront soumises à un certain âge, ça veut dire PEGI 18. Donc voilà, voilà. Voilà, donc voilà. Si vous avez des questions sur Star Wars, sur Deponia, sur un autre jeu, si vous avez des propositions, des théories, des trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des trucs à me dire, dites-le, n'ayez pas peur. C'est juste que, s'il vous plaît, écrivez correctement. Alors je sais que le langage SMS, ça vous permet d'écrire très rapidement, hein, donc de vous permettre de pouvoir mieux m'envoyer rapidement les messages. Le truc, c'est que moi, après, il faut que je l'écris. Alors. Rappelez-vous bien, je suis pas un vieux vieux vieux, hein, ça veut dire j'ai pas 50 ans, hein, les petits jeunes. Voilà, non, non, j'ai 23 ans. Et le truc c'est que voilà quoi, il faut. C'est que moi je préfère lire un truc correctement écrit, qu'on a pris son temps, qu'on a réfléchi à la question qu'on voulait mettre, ou le commentaire qu'on voulait mettre en général, la théorie, ou la proposition, n'importe quoi, bref. Voilà, quelque chose de bien écrit, bien réfléchi, pour que je comprenne bien votre demande. Ou de ce quoi vous voulez me parler. Comme ça, on pourra en parler bien, correctement, réussir à trouver un arrangement, hein, puisque s'il faut, il y a des jeux que vous allez me proposer que moi j'aime pas, ou alors que je pourrais pas m'acquérir tout de suite, puisque voilà, hein, le truc c'est que Mafia 2 m'a coûté assez cher, en plus des Deponia. Les Deponia m'ont coûté en tout 90 euros, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, alors, déjà 90 euros pour 4 jeux. 90 euros pour ceux qui veulent savoir, c'est se précommander un jeu en version de luxe. Attention, hein, pas la version Day One avec tous les machins, tout ça, non, 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 non. Pas ce genre de truc, non. La version seulement de luxe. Vous voyez, ça veut dire le machin où vous avez quelques trucs supplémentaires. Certains se contentent juste du Season Pass en plus, mais bon, voilà. Pour vous donner une idée, c'est, disons, on va dire la version 2 du jeu. Hein, vous avez trois versions. La version 1, c'est-à-dire le jeu simple. La version 2, la version de luxe, donc avec quelques petits cadeaux. Et la version 3, qui est habituellement avec plein, plein, plein de machins. Les artbooks, les making-of, tout ça, compagnie. Bref, vous connaissez les machins. Voilà. Donc voilà, le fait que ces 4 Deponia coûtent ensemble 90 euros, je trouve que c'est un bon prix. C'est très négociable. Chaque Deponia, enfin, le premier et le deuxième Deponia coûtent 20 euros, et le troisième et quatrième coûtent 30 euros. Donc voilà, je trouve que c'est des jeux qui valent leur prix. Voilà, c'est des jeux qui se veulent assez rapides quand on a vraiment une soluce sous le bras, parce que là, bon bah. Je fais des poignées de mseille sans solution, je vous rappelle, hein, donc je mets un peu de temps. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je rame un petit peu avec des poignées de mseille, hein. Évidemment, faut que je réfléchisse, il faut vraiment que je mette mon cerveau en action là. C'est mon côté point and click qui doit être au maximum de sa forme. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, là en ce moment, je suis assez court au niveau argent. Vers niveau juillet, je dirais, je devrais avoir assez d'argent pour m'acheter plusieurs jeux. Alors évidemment, entre-temps, j'aurais eu assez d'argent, mais le truc c'est que je préfère bien économiser pour si jamais vous avez des propositions de jeux qui sont très très chers et que donc ça va me faire une liste de beaucoup de jeux chers. Donc voilà, c'est... Mais allez-y doucement s'il vous plaît, hein, parce que si je pouvais faire des économies, ce serait sympa pour le petit Valmar, hein, il a des factures à payer, vous comprenez, le pauvre, il travaille dur pour réussir à payer les factures, ses petites amies commencent à en avoir marre, que c'est elle qui paye le plus souvent la plus grosse partie, donc voilà, si vous pouviez aider le Valmar à sauver son couple, donc voilà. Vous inquiétez pas, mon couple va très bien, hein, c'est juste que je fais ça pour exagérer, hein, mais bon, voilà, c'est juste, si vous avez un gros jeu à me proposer, bon bah, proposez-le. Mais me mettez pas trois gros jeux en même temps, hein. Voilà quoi. Faites un choix, on va dire. C'est votre choix préféré. C'est celui que vous voulez voir en premier. Sachant qu'en juillet, je vous rappelle qu'on fait Beyond Good and Evil. Donc voilà, vous aurez largement le temps de réfléchir, hein. En plus, je vous proposerai un petit jeu super sympa de Ubisoft qui était génial et tout.
Oui, Ubisoft faisait des bons jeux. Oui, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant de ne pas suivre l'avis d'Internet, hein. Ouais, réfléchissez-y, hein. Les Assassin's Creed récents sont peut-être pas innovants ni quoi que ce soit, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire avec la licence maintenant? Mais les gens réclament tout le temps des Assassin's Creed. Donc voilà, Assassin's Creed aurait dû se terminer avec Assassin's Creed 3, mais les gens n'ont voulu encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Donc voilà, pour moi, Assassin's Creed s'est terminé avec Assassin's Creed 3, les autres, c'est du bonus. C'est tout simplement des plaisirs coupables, on a envie de jouer encore les assassins, à tuer des templiers. Donc voilà, c'est surtout avec le quatrième Black Flag où on joue carrément un pirate. Donc voilà, là c'est carrément un délire à ce niveau-là. J'attends le Assassin's Creed qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale ou encore le Assassin's Creed qui se passe à l'époque des cow-boys ou encore à l'époque de l'espace, les extraterrestres, les Jedi et la Force. Bref, voilà quoi. Vous m'avez compris. Imaginez un instant des Sith et des Jedi qui sont des assassins et des templiers. Imaginez le machin, juste imaginez le truc. Je suis sûr qu'en plus il y a déjà des images comme ça de personnages connus qui ont des lames laser ou des trucs comme ça. Bref, voilà. Donc finalement la vidéo a pris plus de temps que prévu. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure que vous aurez vu la vidéo. Je vous souhaite à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite. Ciao ciao. On se retrouve pour un prochain épisode. Oui, j'ai parlé très doucement parce que c'est tard le soir, il est plus d'1 h du matin, donc j'essaie d'éviter de réveiller les voisins quand même. C'est pas parce qu'il y a presque plus personne dans l'immeuble que ça veut dire qu'il y a personne qui m'entend. Donc voilà. Allez, à plus les valjean.